and also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter. Trois titres seront au menu de ce magazine de sport de ce soir. On va parler de football avec cette tournée interprovinciale du candidat Bosco à la Bafale qui normalement devrait, si tout rentre dans l'ordre, remporter l'épreuve au niveau de la Fédération gabonaise de football. On va parler de handball dans ce magazine de sport avec Réveil Handball qui accède au championnat semi-pro de handball en battant la formation Port-Gentillaise du stade Mangi. On va parler de Maracana dans ce magazine de sport avec ce tournoi d'initiation qui a eu lieu le week-end dernier du côté des plateaux sportifs du stade de Nzanyon. Pour en parler, je suis avec Ulrich Sima. Bonsoir Ulrich. Bonsoir Ephraim. Avant de revenir sur tout cela en détail, Patrick Jessima, c'est quand vous voulez. On va tout de suite dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville pour parler de la nouvelle salle Boxon Johnson Okoumé qui offre des réelles possibilités aux disciplines sportives désireuses de se mouvoir dans un cadre agréable. Ulrich Sima, vous qui étiez du côté du 5e arrondissement de la commune de Libreville, vous avez pu apprécier l'équipement de cette nouvelle salle de sport. Oui, Ephraim, c'est un équipement vraiment de dernière génération. Je pense qu'au niveau de Libreville, il n'y en a pas deux. Ceux qui ont eu l'initiative de construire ce joyeux, ils ont bien fait, puisque notre pays a besoin de ce genre d'infrastructure pour essayer un peu de développer certaines disciplines sportives. D'accord. Donc on va tout de suite aller du côté du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Vous proposez en image cette toute nouvelle salle qui est équipée de matériel de dernière génération. Reportage Lurissima. La salle Boxing Johnson Okoumé, située dans la zone industrielle de Lumi, offre à tous les sportifs une occasion de s'initier ou de s'entraîner dans certains arts martiaux, soit pour la mise en forme du corps, soit pour faire carrière dans ces disciplines sportives offertes. Comme vous pouvez le constater, nous proposons plusieurs disciplines, à savoir la boxe anglaise, le kickboxing, le taekwondo, le MMA et sport détente. Donc c'est axé pour le loisir, les compétiteurs et aussi pour la formation. Avec ses encadreurs qualifiés, cet édifice attire déjà un bon nombre de compatriotes avec des objectifs bien précis. Les avantages du club Johnson sont d'une part, la structure est dotée d'un matériel digne des normes internationales. Le club bénéficie de l'encadrement de 3 entraîneurs dignes d'une réputation nationale. Et les objectifs du club sont, du moins pour ma part, d'une vision olympique, selon les mots du président fondateur de la structure. Outillé de matériel de dernière génération, la salle Johnson Okoumé espère voir sortir de son centre des élites du sport. Je pense que les compétiteurs et les licenciés sont satisfaits de Johnson Okoumé par rapport aux installations.
les installations sportives parce que nous bénéficions d'un cadre exceptionnel. Nous avons des rings, nous avons tout le matériel adéquat pour pouvoir être de grands champions. Donc pour pouvoir former de grands champions, c'est surtout ça. Et je pense que par rapport à tout ce matériel, on ne peut que sortir des grands champions. Ce cadre accueille les personnes de tout âge avec des assurances au plan sanitaire et hygiénique à sortir d'un programme horaire bien approprié. On quitte la salle de sport Johnson Okoumé pour aller tout de suite du côté de l'INJS, Institut National de la Jeunesse et des Sports, qui vient de voir naître la 40e cuvée de l'INJS, baptisée Pierre-Alain Mungengi. Ils étaient au nombre de 131 récipiendaires qui ont reçu les mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mathias Otunga Osibajo, leur parchemin de fin d'études après 2 ans. D'études passées au sein de cet institut. Reportage. La 40e cuvée de l'INJS, baptisée Promotion Pierre-Alain Mungengi, a reçu tout dernièrement ses parchemins au terme d'une formation qui a duré plus de 2 ans. Parmi les 131 récipiendaires, on compte des inspecteurs de la jeunesse et des sports, des professeurs et des professeurs adjoints des PS, des professeurs adjoints des activités socio-éducatives, des conseillers sportifs et des conseillers des activités socio-éducatives. La tutelle, représentée par le détenteur du portefeuille de ces départements ministériels, lors de son adresse à l'endroit des heureux récipiendaires, invitera ces derniers au respect et à l'application stricte des rudiments reçus lors de ces années de formation. Bienvenue dans la sphère professionnelle pour ceux qui viennent d'entrer et bon retour sur leur milieu de travail. Ensuite, leur rappeler que le sport aujourd'hui est une activité bien particulière. Particulière parce que c'est d'abord une activité de loisir. Ensuite, c'est une activité qui participe à la bonne santé de l'individu. Et enfin, parce que le sport aujourd'hui est une véritable industrie. Et donc, on a cessé de penser que ceux qui s'adonnent au sport vont dans une voie sans issue. Et au contraire, le sport aujourd'hui est une des activités qui favorise l'égalisation des chances. Donc, je leur ai demandé de se considérer d'abord comme des formateurs, comme des soignants et comme des pourvoyeurs d'emploi. Parce que c'est à travers le sport aussi qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Des années de formation couronnées par un succès, les récipiendaires vont devoir faire leurs preuves sur le terrain. J'éprouve vraiment une grande joie pour avoir effectivement été premier de ma promotion, de ma filière. C'est vrai qu'on est resté pendant la théorie, mais un peu de pratique parce qu'on a fait des stages. Mais c'est maintenant que ça commence maintenant parce que c'est vrai que le diplôme, comme l'a dit, ce n'est qu'une présomption de connaissance, ce n'est pas tout. Mais comme on le dit, nous serons jugés au pied du mur. Et d'ici là, nous allons évidemment retrouver nos administrations respectives. Nous partons de là avec un sentiment de satisfaction. Après 2 années de dure labeur et de sacrifices, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour apporter une expertise à notre pays. Pour ma filière, ce qui est de ma filière, dans tout ce qui est activité socio-éducative, tout ce qui est récréologie, tout ce qui est loisir. Notre pays souffre énormément de ce secteur où la jeunesse est délaissée par le manque justement de ces activités de jeunesse. Ce que nous voulons, au sortir d'ici, nous pensons être prêts pour revoir ou mettre encore ou encore pratiquer la politique des loisirs au Gabon. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, travaille en étroite collaboration avec des universités de Lyon 1 et de la ville d'Évry. Nous quittons des salles, des salles de fête, pour parler en ce moment de handball, direction le gymnase du Britannique militaire de Libreville, qui a de cela quelques jours seulement abrité la compétition qui concerne la montée pour des équipes désireuses de participer au championnat semi-pro de handball. La formation de réveil était opposée à celle du stade Mandji en aller-retour. La formation de réveil après 2 sorties avec des résultats positifs
accède au championnat semi-pro qui va démarrer dans quelques mois seulement. On sait que au cours de l'année dernière, le championnat semi-pro de handball a connu quelques difficultés d'ordre financier. Est-ce que on peut dire, bien que Revet ait accédé au championnat semi-pro de handball cette année, et la LINFP qui gère le championnat semi-pro de handball a donné des assurances quant à la poursuite de la saison dernière, ou bien ils vont directement entamer une nouvelle saison? Ils vont entamer une nouvelle saison puisque la présidente de la LINFP l'avait si bien dit qu'on oublie déjà ce qui s'est passé la saison écoulée et il faut maintenant aller vers une nouvelle saison. Mais on se pose toujours des questions. Une nouvelle saison, est-ce que ils vont garantir quoi à ces équipes-là qui vont cette année participer au championnat semi-pro. Puisque moi, on ne peut pas parler de financement. Moi, je pense qu'il y a un problème de gérance. Des équipes qui, avant, jouaient des tournois avec moins de 10 millions, aujourd'hui se retrouvent avec 75 millions. Bien avant la fin de la phase aller, ces équipes mettent en cause un problème de moyens. Moi, je dis un peu, c'est un problème de gérance qui se pose. Puisqu'il y a de l'argent que l'État verse, est-ce que cet argent est véritablement fait pour ce qui a été donné comme objectif? Moi, je pense qu'il y a un problème de gérance qui se pose, Ephraim. Bon, d'accord. Bon, problème de gérance, nous le verrons très prochainement. Là, il s'agit de la montée de la formation de Revet, qui a tellement attendu après plusieurs années de dur labeur, finit par accéder au championnat semi-pro. Nous avons espéré que finalement, cette année 2017-2018, ce championnat va devoir se dérouler. Pour le moment, il n'a pas encore commencé, mais la formation de Revet peut déjà jubiler du fait d'avoir accédé à ce championnat semi-pro de handball en prenant le dessus sur la formation Port-Gentillaise du stade Mandji. Reportage Mosconi Ngonumba. Battu en aller-retour par cette équipe de Revet Dribbling, le stade Mandji peut nourrir des regrets dus au manque de précision devant les buts en ratant plusieurs face-à-face grâce aux portées de Revet qui a su mettre son équipe à l'abri. Mais les Verts, plus entreprenants, décident de mettre fin au rêve du stade Mandji d'accéder au championnat semi-professionnel. La patience, le travail, beaucoup de travail, beaucoup de patience, rester serein, ça nous a permis de forger notre morale, tout ce qui va avec, le travail, et voilà, aujourd'hui c'est la consécration. Ce qui est prévu pour la suite, déjà, on va s'asseoir avec nos jeunes, vous savez que c'est des jeunes qui sont en train de parfaire leur formation, et puis comme ça on va voir si on peut trouver au niveau de l'extérieur des anciens, ou sinon des joueurs cadres qui peuvent encadrer ces jeunes-là pour leur donner encore un peu plus d'expérience pour les joutes à venir. Je crois que nous allons marcher dans cette lancée. 18 contre 14 pour le stade Mandji. Ils l'ont attendu ce moment de bonheur. Le rêve est désormais réalité pour cette équipe de Revet qui a su se montrer dangereuse tout au long de la rencontre. Le stade Mandji est encore en reconstruction. Depuis l'élite 2016, on s'est engagé sur un projet à court, à moyen et à long terme. Dans l'immédiat, comme je disais, c'était de monter cette année. Dommage, ça ne s'est pas fait. Mais on va repartir travailler pour la saison prochaine. Je n'avais pas encore pris les repères de la salle. On est habitué à travailler en plein air. Je peux résumer l'échec sur ça. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre pour Revet Dribbling. Elle a désormais les deux pieds dans le championnat semi-professionnel de handball. De ce côté, la concurrence y est de taille. Des équipes pas faciles à manœuvrer telles que Senior Academy, Phoenix ou encore Salinas qui imposent un rythme de jeu à couper le souffle à leur adversaire. Messieurs, les victoires, il va falloir aller les chercher contre ces équipes. Là encore, la vérité se saura lors de la première journée du championnat semi-professionnel. Nous restons toujours du côté du gymnase du Prétani Militaire de Libreville pour parler cette fois-ci de taekwondo avec la première édition du tournoi espoir de cette discipline, lequel des tournois a réuni en un seul lieu près de 400 jeunes issus de 20 clubs de la capitale gabonaise avec pour objectif
renouer avec cette discipline et pourquoi pas la vulgariser chez les jeunes enfants. Et au finish, c'est finalement la formation de Hang Se-young qui a remporté cette épreuve devant celle du prytanée militaire avec un total de 236 points. Reportage Moscou Niengonba. Pour sa toute première édition, les démonstrations techniques ont régalé les spectateurs du gymnase du prytanée militaire de Libreville. Le tournoi Espoir, qui a réuni près de 20 équipes, avec un total de 400 jeunes âgés de 4 à 17 ans. L'épreuve de force entre les clubs présents a donné au club Hang Se-young vainqueur de cette première édition, avec un total de 236 points, au détriment de son poursuivant du club prytanée militaire, qui lui va se contenter de la deuxième place, avec un total de 193 points. Je suis contente, je ne pensais pas avoir cette première place aujourd'hui, mais grâce à Dieu, je l'ai eu. Et on dit c'est le travail qui paye. C'est Dieu, le travail et la récompense oblige. La reconnaissance que je donne aujourd'hui à mes jeunes, je les remercie beaucoup parce que j'ai eu à travailler dur avec eux et je les ai donnés et eux, ils m'ont remis ça. Sans eux, je ne vais pas être là aujourd'hui très joyeuse et je les remercie encore. L'initiateur de cette première édition, le maître Nzamba Mutiema, félicite l'organisation de ce tournoi qui vient de connaître un franc succès grâce à l'implication des hommes et des femmes engagés à rendre au taekwondo gabonais ces lettres de noblesse qui passent nécessairement par la formation des jeunes. C'est la première édition de la Coupe Espoir. Ça n'a rien à y voir avec l'Open Espoir. L'Open Espoir est basé uniquement sur les combats. La Coupe Espoir technique est basée sur ce qui est technique. C'est une première au Gabon. On n'a jamais organisé une compétition technique. Donc, l'Association Nationale Panthère et le club Hang Se-young Academy, sous l'égide de la Ligue de Taekwondo de l'Est, dirigée par le président Bumba Denis De Costo, ont concocté toute cette organisation pour pouvoir mettre ça en place. C'est une première au Gabon et voilà pourquoi ça réussit, parce que nous travaillons avec tout le monde et toutes les fédérations. L'objectif de cette compétition, c'est de pouvoir amener les enfants à rentrer dans les compétitions techniques et leur amener demain après-demain à participer aux compétitions internationales. Les enfants ont été évalués sur des épreuves comme le Kyokpa Chouapchagi, Choyopchagi, les Pumse et tout ce qui est comme casse freestyle. Le freestyle, ce sont des casses organisées par les enfants eux-mêmes. Paris gagné pour Nzamba Mutiema. Nous rappelons qu'aucun incident majeur n'a été enregistré durant cette compétition qui s'est achevée avec une note de satisfaction, tout en rappelant que la deuxième édition connaîtra plus d'innovations et de surprises. Son titre, hein, il y a eu un tournoi d'initiation au Maracana. Ce tournoi s'est déroulé le week-end dernier du côté des plateaux sportifs de Nzanyon. Plusieurs équipes de la capitale gabonaise y prenaient part, également les équipes de la commune de Vendodon, Cetra, de la formation de Cetra qui était présente, de la formation Corpo. Finalement, quel était le but visé par l'association qui vulgarise le Maracana sur le plan national? Leur objectif, c'est de promouvoir, comme ils l'ont si bien commencé depuis plusieurs années, cette discipline qui a du mal à décoller au niveau national. Au mois de février, ils avaient organisé un séminaire pour essayer un peu d'apprendre les lois de jeu aux différentes équipes qui pour l'instant sont inscrites au niveau de l'association. Maintenant, ils vont le faire dans toutes les ligues et essayer aussi de lancer certaines activités avec les grandes sociétés de la place, puisque vous le saviez, c'est une association qui a du mal à avoir le financement du ministère. Donc pour l'instant, ils travaillent en collaboration avec certaines sociétés de la place comme CETRAG, comme la BSC,
qui les soutiennent vraiment dans tout ce qu'ils entreprennent comme activité. Donc ils ont déjà assez de sponsors pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir vulgariser leurs projets sur l'ensemble du territoire national, parce que avoir ces tracts à ses côtés, avoir des banques de la place à ses côtés, ça voudrait dire que les caisses ne sont pas forcément vides. Non, vraiment, on ne peut pas parler des caisses, parce que c'est surtout au niveau matériel. Le président me l'a si bien confirmé, s'ils avaient des moyens financiers. Est-ce que le Maracana a un équipement spécial? C'est un ballon de foot, que je crois savoir. C'est un ballon de foot comme le football aussi. Ils utilisent le même type de ballon. Non, ils n'utilisent pas le même type de ballon. Ils ont un ballon appelé Trogadère. Ouais. Donc c'est un ballon spécial. Donc plus voilà petit. Voilà pourquoi on les avait un peu dissociés du football. Puisqu'avant, après la création du Maracana, le Maracana faisait partie des associations membres de la FIFA. Oui. Maintenant, la FIFA a essayé un peu de vouloir financer des activités du Maracana durant plusieurs années. Mais que cela ne tienne, une discipline qui n'a pas de gardien de but n'a pas le droit d'être membre de la FIFA. Ouais. Donc, c'est ce qui a fait de sorte que la FIFA essaie un peu de associations. D'accord. Donc, on va tout de suite aller du côté des plateaux sportifs du stade de Nzanyon. Vous proposez en image ce tournoi d'initiation qui a regroupé plusieurs équipes venues de la commune de Vendo qui se sont jointes aux équipes de Libreville. Reportage Ulrich Sima. Après le séminaire sur les lois de jeu, l'Association pour la promotion du Maracana et des disciplines associées vient d'organiser le week-end écoulé un tournoi sous le patronage de M. Jean-Pierre Mafumbi, parrain de cette association, dans l'optique de permettre aux équipes de mettre en application les connaissances reçues lors du séminaire. Les responsables de certaines équipes n'ayant pas participé à ce tournoi ont apprécié le spectacle. Une expiation pour les acteurs qui trouvent leur plaisir dans ce jeu qui est en train de prendre place au Gabon. Le bureau de la Promeda compte étendre ce genre d'initiative au sein des différentes ligues. C'est la formation du Carrefour Léomba qui est sortie vainqueur du tournoi. Le trophée Fair Play a été remis à l'équipe de la BAC. Pour la Promeda, l'importance n'est pas sur les trophées, mais plutôt sur l'apprentissage des règles qui tournent autour de cette discipline professionnalisée dans d'autres pays. Nous quittons les plateaux pour les terrains synthétiques avec les finales de l'Office gabonais du sport scolaire universitaire en basketball et en football qui se sont déroulées le week-end dernier du côté du stade de Nzanyon. Plusieurs lycées et collèges de la place ont pris notamment part
à cette compétition OXU. Le but visé par l'Office gabonais du sport scolaire universitaire étant d'engranger un maximum d'adhérents à cette fête sportive au niveau scolaire, universitaire, et pourquoi pas promouvoir et déceler en même temps les talents. Oui, Frère, comme vous venez de le dire, moi j'ai pensé aux grandes années, parce qu'à un moment, on avait un peu laissé des bonnes habitudes. Nous savions un peu ce que l'OXU a apporté au niveau de certains sports. Je prends l'exemple du football et du basketball, autant pour moi à l'époque. Oui. Donc, cette nouvelle initiative du nouveau ministre de la Jeunesse des Sports est vraiment à saluer. En ce moment, au Gabon, nous avons besoin des jeunes. Des jeunes, et comment détecter ces jeunes-là? Il faut aller vers les établissements. Je pense que c'est une initiation et une initiative, autant pour moi, qui est vraiment à saluer. Mais aujourd'hui, on peut tout de même déplorer du fait que des enfants se retrouvent avec très peu de compétition dans les jambes. Or, jadis, au bon vieux temps, au moment où nous étions dans les lycées et collèges, le jeu OXU se jouait quasiment durant près de 4 à 5 mois. Chaque semaine, chaque milieu de semaine, vous devrez affronter des équipes de différents lycées et collèges de la place. Mais aujourd'hui, la compétition a démarré il y a moins d'un mois. Et je suis étonné que le week-end passé, on jouait les finales. C'est un rythme très déplorable. Dans la logique, l'OXU se joue tout au long de l'année scolaire. Voilà. Et vers la fin de l'année, c'est en ce moment qu'on joue souvent les finales. Ouais. Et les différentes équipes de chaque localité du Gabon montent sur Libreville pour jouer les finales. Les grandes finales. Bon, peut-être cette année, je me dis que des moyens ont été dégagés en retard. Voilà pourquoi les responsables de la zone Libreville ont essayé d'aller un peu plus vite en besoin pour essayer un peu de regrouper des équipes. Je pense que dans les jours à venir, on aura les OXU nationales. Oui. Donc, pour qu'ils ne soient pas en retard, moi, je pense que dans d'autres provinces, ça s'est joué tout au long de l'année. Je prends l'exemple d'OIM. D'accord. Donc, que vous maîtrisez parfaitement, Ulrich et Sima. Donc, on va tout de suite aller du côté du stade de Nzoyan pour vous proposer en image les finales de ces jeux de l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires qui sont déroulés du côté du stade de Nzoyan dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Le reportage, quant à lui, est signé de Ulrich Sima. Débutés depuis un peu plus d'un mois, les Jeux de l'OXU pour la commune de Libreville se sont achevés ce week-end au stade Nzoyan avec des finales en football et en basketball. Avant la remise de l'ensemble des récompenses aux différents vainqueurs, une cérémonie rehaussée par la présence de Madame la directrice académie provinciale de l'Estuaire et les différents chefs d'établissement scolaire de la capitale. Dans les sports collectifs, c'est le lycée Polidjenje Ngodjou qui sauve les trophées de vainqueurs en football et en basketball. En volley, le lycée Paul Emmané Yegué sort champion, tandis que dans l'athlétisme, c'est le CS Baouma qui rave le plus de médailles. Cet événement sportif n'a pas laissé indifférents les autorités. Les encadreurs et toute l'équipe de la DRP avec en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous a encouragés dans la relance de ces jeux scolaires. Et aujourd'hui, nous constatons que, sincèrement, les enfants avaient besoin de cela. Et nous souhaitons que l'année prochaine, que les choses se passent mieux et que on s'y prenne plus tôt pour qu'on ait effectivement l'euphorie que vous voyez aujourd'hui. L'athlétisme et surtout le saut, le titre de saut. Et on a vu quand même une très belle finale de football. Vraiment, Njenje Ngonjo, on sent que c'est un établissement qui s'est préparé. Et je crois que l'année prochaine, les autres feront aussi la même chose. Au terme de cette phase de l'OXU dans la commune de Libreville, où plusieurs élèves ont démontré leur talent, les Jeux de l'OXU national sont d'ores et déjà attendus. On parle à présent de football. Direction la Fédération gabonaise de football basée dans la commune d'Ovindo, avec ce point de presse organisé par la commission électorale de cette
fédération qui, par la même occasion, a rendu publique la liste des candidats retenus pour l'élection à venir. Il faut dire que la FIFA a adressé notamment à cette commission, via le secrétariat général de la Fédération gabonaise de football, des courriers, donc le premier qui curieusement a été dissimulé par les responsables de cette fédération, qui date du 6 mars dernier, lequel des courriers dans son contenu demandait que l'ensemble des partis puissent s'asseoir pour que les travaux du congrès du 10 mars dernier se déroulent dans de très bonnes conditions. Malheureusement, ce courrier n'a pas été rendu public. Un second courrier vient d'arriver, il date du 21 mars dernier, lequel des courriers rappelait déjà aussi les mêmes motifs ici énumérés. Maintenant, la fédération, via la commission électorale, a convoqué des candidats en fin de semaine dernière pour leur informer de la tenue ou du contenu des 10 courriers. Une réunion qui malheureusement ne s'est pas tenue, mais avant cette réunion, il y a d'abord eu ce point de presse, lequel des points de presse, on vous a rendu public hein, la liste des candidats retenus pour cette élection du 31 qui, entre guillemets, hein, risquera de ne pas se tenir si on s'en tient au courrier adressé, bien évidemment, à la Fédération gabonaise de football par l'instance fêtière du football mondial qui n'est autre que la FIFA. Et Frère, moi je peux dire que l'élection n'aura pas lieu. Oui. Puisque le samedi du week-end écoulé, il devait avoir une réunion. Je pense que vous étiez sur les lieux. La réunion n'a plus lieu. Donc, en un mot, on peut dire qu'il n'y aura pas élection. C'est quand même une situation très déplorable. Nous sommes dans un pays, je ne sais pas où le manque de sérieux gagne vraiment du terrain. Je ne sais pas comment des gens peuvent recevoir des courriers administratifs qui concernent une grande instance de football comme la FEGAFOOT et ne pas mettre ces courriers à la disposition de certains états-majors candidats. Moi, je pense que une solution sérieuse doit être trouvée par la FIFA. Et je crois qu'à l'heure où nous en sommes par rapport à ces deux courriers, le premier qui date du 6 mars dernier et le second qui date du 21 mars dernier, ces deux courriers mettent en branle notamment le mauvais travail entamé par cette commission qui aujourd'hui se retrouve illégitime parce que à travers ces courriers, cette commission n'a plus le droit d'exister pour organiser l'élection à venir. Mais avant qu'on en arrive là, on va d'abord vous proposer la lecture, hein, donc le rendu de cette commission qui a tenu quand même à se réunir pour rendre visibles les candidatures qui ont été retenues pour l'élection à venir. Reportage. Communiqué de la commission électorale de la FEGAFOOT. Mesdames et messieurs de la presse, la commission électorale élue le 10 mars 2018 à l'issue du 57e congrès extraordinaire de la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, a reçu la délicate mission d'organiser, de gérer, de superviser le processus électoral devant conduire au renouvellement de son comité exécutif le 31 mars 2018. Conformément aux dispositions des articles 7, 12 et suivants du Code électoral et du calendrier électoral réaménagé et rendu public le 12 mars 2018, la commission électorale procède ce jour à la publication officielle des listes des candidats retenus. À la date butoir du 19 mars 2018 à 17h, la commission a reçu 5 listes de candidatures, ainsi que prévu à l'article 11 du Code électoral de la FEGAFOOT. Après examen et délibération et sous réserve du règlement de la caution fixé par la commission électorale, les listes ci-après ont été retenues. Bosco Alabafal, Blanchard Paterne Andoum, Placide Xavier Bourdette, Jérôme Effon Zolo, Pierre-Alain Mungengi.
Les candidats retenus sont les suivants. Liste Bosco Alaba Fall. Bosco Alaba Fall. Teddy Fabrice Atani Lekogo. Christian Atonda Bouka. Nestor Andom Aï. Jean-Victor Bongo. Alfred Mébalé. Pierre Védon. Fanny Rose Guébier. Landry Kei Rebongino. Ida Clémence Ossé. Simost Michel Guy Stéphane Sima Enzama Komé. Pierre Swangele Mbome. Liste Blanchard Paterne Andoum. Blanchard Paterne Andoum. Oswald Séverin Mayounou. Étienne Kassa Ngoma. Jean-Clotaire Oye Zoué. Bérangère Marie-Olivia Minam. Sylvère Karine Péa Maccabi. Franck Meslin Otiomo. Marc-Joël Batchielili. Paterne Sougou. Cyril Nsi Ozigi. Philippe Romain Mikanga Seba. Liste Placide Xavier Bourdette. Placide Xavier Bourdette. Pierre Don Abogué. François André Diouf. Louis Enanga. Ange Patrick Ibiz Ibinga. Théodule Louembe. Edgar Lassi Manyungu. Chantal Moulopou. Louis Reban Ngoué. Liste Jérôme Effon Zolo. Jérôme Offon Zolo. André Bernard Doufilou. Frédéric Eyang Beyem. Aboubakar Amawa. Athanase Keka. Éric Lebanda. Jean-Bart Medou. Michel Minko. Jean-Pascal Ndon. Pierre Laurette Ngoma. Victor Ourk Osavu. Georges Rovago Rosako. Liste Pierre-Alain Mungengi. Pierre-Alain Mungengi. Ousmane Ayouba. Guy Robert Binguma. Faustin Bunda. Robert Mangolo Mvoulou. Cyril Mouyopa. Nestor Ndon Nguema. Dieudonné Ndumbu Likumi. Ngwa Eman. Hilarion Carly Nkulondo. Léocadi Samengema. Edgar Ukumbi. En application du code électoral et des statuts de la FEGAFOOT, et après examen et délibération, la candidature de M. Henri Sié Obam, colistier du candidat Blanchard Paterne Andoum, et Mme Gisèle Okom Ebanega, et M. Brice Mbika Jambou, colistier de M. Placide Bourdette, Xavier, n'ont pas été retenus par la commission électorale. Conformément à l'article 13 du Code électoral et par application du calendrier électoral, il dispose, à compter de ce jour, d'un délai de 2 jours pour saisir la commission de recours de la FEGAFOOT. Pendant que la commission électorale de son côté rendait visible au public la liste des candidats retenus pour cette élection qui au départ était fixée
au 31 mars prochain. Le candidat Bosco Alabafa, lui, il a entamé une tournée interprovinciale qu'il a conduite tour à tour du côté de la province Louvain-Vindo avant de se rendre dans le Wellington, Langouni, Lianyanga et enfin la province du Moyen-Ogoué. Donc je m'en vais vous inviter à suivre en image ce compte rendu de la rédaction sportive du TVS. Le 1er mars 2018 dernier, Bosco Alabafa a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football, en tenant bien évidemment compte de ce que prévoient les textes au fil du temps que l'on s'approche de cet événement national. Divers états-majors sillonnent le territoire, histoire de convaincre les délégués à travers leur programme d'action. Comme c'est le cas ici pour Bosco Alabafa, qui après avoir eu des échanges avec les délégués de la province de Louvain-Vindo, a tout de suite pris la route pour la province de Wellington. Une fois à destination, comme c'est le cas présentement, des échanges ont porté essentiellement sur comment ce dernier entend gérer la Fédération gabonaise de football. Une fois aux commandes, sans attendre, l'homme a mis au devant de la scène les trois piliers qui composent son programme d'action, à savoir restructurer, former et appliquer. Mais la restructuration ici, elle va consister d'abord à améliorer le fonctionnement de la Fédération gabonaise de football, rendre cette institution beaucoup plus performante, efficace. Donc, il va de soi qu'il faut les femmes et les hommes compétents. Il faut revoir certainement, on va dire, des choses qui sont existantes et d'autres qui ne sont pas existantes dans ce pilier de restructuration au niveau donc de la Fédération gabonaise de football. Il s'agira donc pour nous de voir l'existant et l'inexistant et créer l'inexistant. Aujourd'hui, le cadre juridique fait défaut au bureau actuel. Tout est bafoué. L'une des missions premières de Bosco Alabafa, redonner une valeur au statut, lesquels nécessitent un toilettage complet. Nous avons d'abord ces statuts que vous voyez ici. Il y a des incohérences. Donc il va falloir que l'instance fêtière qu'est la fédération se dépêche donc de faire un toilettage donc des tests. Il y a la problématique d'abord du logo. Il faut que les Gabonais soient fixés, parce que la fédération nationale, c'est une affaire d'intérêt national. Alors, il va falloir fixer d'abord les Gabonais. Un, sur le logo. Vous voyez, c'est une panthère ici. Et lorsque vous lisez l'article 1, alinéa F, on parle d'un baron. D'un baron, t'as pour moi. Baron D. Alors, donc, vous voyez déjà des incohérences qui doivent nous amener à mieux restructurer la Fédération gabonaise de football du point de vue donc des tests. Et il va de soi que l'article 1, la linéa donc 7 que je venais d'évoquer, il y a la linéa donc 8 qui prévoit également que le logo il est choisi au cours d'un congrès. Or, je vous apprends que aucun congrès n'a eu lieu pour évoquer la question de logo. Alors, quand vous savez que le logo c'est une identité de l'équipe nationale, on ne peut pas se permettre, de mon point de vue, nous présenter un logo fictif alors que le même test, c'est-à-dire les mêmes statuts, évoque que le logo de la Fédération gabonaise de football, c'est un ballon. Dans les toutes prochaines heures, l'équipe de campagne de Bosco Alabafa va devoir déposer ses valises à Tshibanga, dans la capitale provinciale de la Nyanga. Donc vous venez de suivre à l'instant même le candidat Bosco Alabafa qui dénonce là déjà le non-respect des statuts, la problématique du logo de la Fédération gabonaise de football. Un ballon barodé du vert jaune bleu a été curieusement remplacé par une tête de panthère sans que ne se tienne
un congrès extraordinaire qui avait peut-être, qui devait avoir pour seul point à l'ordre du jour l'approbation, l'élection, la mise en place des nouveaux logos. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on va de violation en violation des textes. Donc, on va dire que le prochain président, la Fédération Gabonaise de Football, aura finalement du pain sur la planche. Ephraim, moi, je vais peut-être donner un peu raison à ce que dit souvent le candidat Ephraim Zolo. C'est-à-dire, chaque année, il y a une assemblée générale de la FEGAFOOT qui se tient. Oui. Maintenant, tous ces délégués, est-ce qu'au cours de ces assemblées, évoquaient réellement tous ces problèmes? Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec un logo qu'on retrouve sur les maillots des différentes sélections. Le président, je pense que le président actuel de la Fédération Gabonaise de Football, il est quand même accompagné des intellectuels. Je ne sais pas comment ils ont décidé et comment tous ces intellectuels aussi qui composent ce grand bureau des délégués de l'Assemblée Générale n'ont pas pu évoquer ce problème. Aujourd'hui, quand ça vient, ça fait grand bruit, je me pose la question, est-ce que ces gens partaient réellement au niveau de l'Assemblée Générale de la FEGAFOOT pour parler de tous ces problèmes qui ne font pas avancer le football gabonais? Parce que c'est un problème sérieux. Oui. Donc ça voudrait dire que l'équipe nationale du Gabon n'a pas d'identification, n'a pas d'identifiant à travers ce que vient d'énumérer là le président Alaba Fall. Bon, d'après les propos du président Alaba Fall, lors de la conférence de presse de Pierre-Alain Mungengi. Merci. Il avait évoqué le problème du logo en disant on a organisé des assemblées. Est-ce que ceux-là qui sont aujourd'hui mes adversaires n'ont jamais reçu des documents avec comme logo cette panthère? Ça a été décidé en assemblée générale. Bon, nous journalistes, nous ne participons pas à... Mais ce qui est quand même curieux, c'est-à-dire que nous sommes un peu surpris. Ce qui est quand même curieux, c'est-à-dire ce qui est décidé en assemblée générale est forcément traduit par un procès verbal, cela devrait figurer dans les textes. Pourquoi jusqu'aujourd'hui des textes ne le prouvent finalement pas que cela a été adopté? Moi, je pense qu'il y a véritablement problème. Si peut-être il nous apporte les différents procès verbaux, le montrant, le prouvant qu'il y a eu adoption du logo actuel. Oui. On leur donnera tout simplement raison. Déjà on peut même dire qu'il y a même confusion. On a eu un dernier courrier du secrétaire général de la Fédération Gabonaise de Football, je crois la commission électorale actuelle ou le secrétaire général, où le cachet de cette commission avait le logo Gabon d'abord. Et à l'entête du courrier, il y avait cette tête de panthère. Vous voyez bien que, même à ce niveau, les gens n'arrivent pas à constater le niveau de leurs erreurs. L'entête d'un courrier, on voit la tête d'une panthère, mais dans le cachet où le secrétaire général a pu signer, on voit le logo Gabon d'abord. Une entité avec deux logos différents. Trop d'incohérences. Voilà. Qui mettent en cause... Je peux dire cette administration. D'accord. Il faut vraiment des hommes sérieux, sincèrement des hommes sérieux qui vont mettre toute leur énergie pour l'évolution du football gabonais. D'accord. Parmi les hommes sérieux, Bosco Alaba Fall qui continue à sillonner le Gabon, il était tout récemment à Makoku, où il a été reçu par les responsables sportifs de cette localité. On va suivre le compte rendu de notre envoyé spécial Mosconi Ngonomba. À l'occasion du nouveau comité exécutif de la Fédération Gabonaise de Football qui se tiendra dans quelques semaines, le candidat Bosco Alaba Fall est en visite dans l'Ogo Evindo, précisément dans la ville de Makoku où il a rencontré ses électeurs avec l'objectif de présenter sa vision du football national en y apportant un nouveau calendrier de compétition, mais également mettre en place une carte uniforme dans l'organisation administrative des joueurs. Mais la fédération, la nôtre qui arrive... dans la mise en place de cette carte uniforme d'une nouvelle organisation administrative, mais doit amener tout le monde
à suivre le mouvement du joueur. Ce que les Blancs appellent le passeport sportif du joueur. Donc ça veut dire que quand il quitte la ligue de l'Ogui-Ivindo, il va à la ligue du football de l'Essieu, ça veut dire qu'il va jouer à CMS. Il faudrait que le mouvement de ce joueur qui quitte de votre ligue parce qu'il a été formé par un club, que l'on puisse avoir lisibilité et la visibilité à travers ce passeport sportif qui est fait en étroite collaboration avec la Fédération gabonaise de football, avec la Ligue. Donc là, on a le mouvement, on a toutes les mutations du joueur. Parce que vous devez protéger votre club qui a formé ce joueur. Une nouvelle vision du football national saluée par les membres du bureau de la Ligue de Logo-Ivindo, y compris son président qui, lui, a profité de cette occasion d'exprimer aux candidats son indignation sur le manque de considération de certains clubs suite à l'engagement des joueurs venus d'autres écuries. Parlons des ligues provinciales. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des joueurs qui, par exemple, partent des clubs des ligues provinciales de Logo-Ivindo pour une autre ligue. Je vous dirais que nous avons, par exemple, 3 ou 4 joueurs qui évoluent dans notre championnat ici et qui se retrouvent aujourd'hui avec Mangasport. Mangasport. Sans classe. Et j'ai été agréablement surpris de voir l'un de ces éléments évoluer. Latéral gauche, nous nous sommes retrouvés à Bitam. Lorsque Bitam affrontait Mangasport, latéral gauche, Etoadan était titulaire. Un problème récurrent au sein du championnat national où plusieurs ligues, en l'occurrence celle-là, qui se plaignent du même phénomène auquel font face ces ligues. Mais la solution a été déclinée par le candidat à l'entame de ses propos qui, je le rappelle, mettra en place un mécanisme de traçabilité pour enfin éradiquer une bonne fois cette situation qui déplaît plusieurs délégués provinciaux. La deuxième étape de sa visite se poursuivra dans le Wellington, précisément à Ouyem. Après Makoku, Bosco Alabafal s'est rendu du côté du chef-lieu de la province du Wellington, à Ouyem plus précisément. Cet homme a eu des entretiens avec les responsables sportifs de cette localité avant de s'entretenir en dernière heure avec le maire Vincent Essoulmende. Reportage. Le siège provincial de la Ligue de football du Wellington a prêté son cadre à l'équipe de campagne de Bosco Alabafal en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Après Makoku dans la province de Logo-Ivindo, le tour est revenu délégué du Grand Nord d'accueillir l'homme qui postule à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Comme lors des précédentes étapes, Bosco Alabafal et l'ensemble de son équipe a tenu le même discours, celui de faire redécoller le football national à travers son plan d'action restructuré, formé et appliqué, lequel il a longuement partagé avec ses férus du ballon rond de la province du Wellington. La raison pour laquelle je suis venu, et comme l'a indiqué mon conseiller, vous le saviez très bien, que très prochainement, il y aura le renouvellement du nouveau comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. C'est donc une nouvelle page qui va s'y tourner au sortir donc du 31 mars 2018. Le football national de notre pays va connaître donc une nouvelle destinée. Et c'est donc pour cela que je suis avec moi, tous vos frères. Sans langue de bois, Bosco Alabafal est revenu sur les réels mobiles de sa motivation, lui qui place Dieu au centre de tout. J'ai été à plusieurs reprises sollicité pour être candidat. D'abord, lorsque M. Ngandias a
a été affecté en Belgique, j'ai été sollicité, j'ai décliné. Encore, les acteurs majeurs de football sont revenus à la charge. On va dire, jusqu'au mois de juin, j'étais vraiment pas du tout intéressé. On regarde aucun test. Je ne suis pas du tout intéressé. La simple raison que j'ai autre chose à faire que de me retrouver à gérer une fédération à laquelle ce qui était là avait du mal. Et le moment, certainement, n'était pas encore convenable. Mais il a fallu, au mois de juin, je crois, au sortir de la CAN de U17. J'étais invité à l'hôtel Radisson. Un appel téléphonique, la voix de personnes que je n'imaginais pas du tout, m'inviter à une séance de travail. Bon, je n'ai même pas cherché. Comment ils ont fait pour obtenir mon numéro de téléphone? J'ai appelé mon trésorier, parce que généralement, au regard de nos responsabilités, il est hors de question de répondre à une invitation de se déplacer autant pour moi. Je conviens les membres de mon directoire d'arriver. J'ai retrouvé un Égyptien, un Tunisien, celui de la CAF, un Sénégalais, un Nigérien. Alors, il était question de me parler des problèmes de football de la Gabonais. Je dis, c'est pas possible, je suis pas président de la fédération. Il dit, non, monsieur, on vous suit, le football gabonais est malade, nous ne pouvons pas comprendre, vous organisez des compétitions, nous sortions là le bilan négatif, nous apprenons également que le championnat connaît des interruptions, que le football de jeunes ne se joue pas sur toute l'étendue du territoire, que le football féminin non plus. Alors nous, on ne veut plus travailler avec des présidents qui ne mettent pas un intérêt sur la promotion et le développement du football. Donc nous vous suivons et nous vous prions sincèrement de pléguer le poste de président de la fédération. Tout comme d'autres ligues du pays, le football wallon-témois n'est pas à l'abri du besoin. Il connaît d'ailleurs de nombreuses difficultés. Nous, on était en train de réfléchir, ça je vous le dis comme ça. On était en train de réfléchir sur le principe de la délivrance des licences. Il faut qu'on trouve un moyen pour restaurer un tout petit peu le pouvoir des ligues vis-à-vis des clubs. Au YMAC, nous avons une collaboration nette. Quand ils étaient encore en D3, depuis qu'ils ont accédé en D2, c'est, je veux dire, épisodique. C'est-à-dire quand il y a une situation où la ligue doit intervenir, on intervient, après, hop. La preuve, c'est que là, son club, jusqu'à maintenant, joue sans licence. Moi, quand je dois faire le calcul pour présenter la fédération, j'ai tel nombre de licences. Ce sont les licences que moi j'ai enregistrées en machine, que j'ai délivrées à un club. Lorsque je ne l'ai pas, c'est bien beau de demander à la fédération. C'est assez sérieux. C'est autant de situations qui nous mettent en difficulté du point de vue de la collaboration. Plus grave encore, nos licences ne sont pas payées. Nos licences sont gratuites. Nous ne demandons que les frais de participation. Au terme de l'entretien qui a duré en gros 2 heures, la délégation venue de Libreville est allée présenter ses civilités au maire de la commune d'Oyem en sa qualité de premier citoyen de la commune. Rien n'a filtré de leurs échanges. Les deux hommes sont notamment liés par la passion qu'ils accordent au football et au sport de façon générale. Donc, pendant que le président Bosco Alabafal était en tournée, ici même à Libreville,
Pierre-Alain Mungengiji, de son côté, organisait une conférence de presse où il accusait le candidat Bosco Alabafal d'ingérence. Il disait qu'il apportait son influence au sein des Panthères, notamment à l'endroit d'Ibrahim Dom. D'ingérence, je pense que M. Alaba n'est pas l'unique personnalité de la République. Il fallait que M. Mungengi nous cite tout ce monde-là qui de temps en temps perturbe la sélection. Si M. Alaba le fait pour un joueur, ça peut se comprendre. C'est un joueur qui a été formé. Il est d'ailleurs considéré comme étant son fils. Mais ce n'est pas lui qui perturbe toute la sélection. Il y a un bon nombre. Que dire alors de Pierre Bamaya qui de temps en temps est avec son fils Pierre Emérique. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non pas seulement, on peut laisser... Pierre Obama avec son fils, parce que lui c'est vraiment son truc perturbé être auprès de ses enfants. Nous l'avions vu lorsque Willy était en sélection avec Catalina. C'est la même chose, c'est à dire que le sélectionneur n'a pas de mot sur ses enfants. Parler d'Alaba, est-ce que quand ces cadres là viennent jusqu'à à assister leurs enfants en sélection, est-ce que vous ne pensez pas que eux au moins savent ce qui se passe en interne de ces sélections? Ils savent toutes les pratiques qui sont légion au sein de cette sélection, et que certains parents en tant que père responsable craignent que leurs enfants certainement ne tombent dans ce genre de vice. Non, aussi. Et problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque monsieur Alaba parle d'une situation concernant Didier, c'est-à-dire il considère Didier comme étant son fils. Il va en tant que parent. Oui. C'est la même chose que qu'Obamiaya fait avec Pierre-Emerick. Ils vont en tant que parent, c'est-à-dire ton enfant est dans une situation, toi, parent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te rapprocher du responsable et de savoir ce qui ne va pas. Et c'est le père qui joue un rôle majeur, qui peut-être trouver des solutions. Je pense que Pierre Alain n'a pas parlé de ça. Oui. Si parfois Didier revient en sélection, c'est grâce à Alaba. Il n'a pas parlé de ce côté positif. Ah, d'accord. Moi, je pense que nous sommes en pleine élection, chacun cherche à tirer profit de certaines informations. D'accord, on va d'abord laisser Pierre-Alain parler avant la réaction du candidat Bosco Alabafal, Pierre-Alain, qui accuse Bosco Alabafal d'ingérence au sein des groupes des Panthères. Reportage. L'attente n'a été que de courte durée avant que le président sortant de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi, ne dénonce ceux qui, de près ou de loin, se sont ingérés au sein de l'équipe nationale des Panthères. Lors de la présentation de son programme de société, un nom est le déclencheur de cette opération, celui de Bosco Alabafal. Je vais vous prendre deux simples exemples des gens qui interviennent. Deux exemples. Je convoque les joueurs, j'envoie des billets, les joueurs arrivent à Libreville un lundi pour un regroupement qui démarre le lendemain. Les joueurs s'entraînent à l'INGS, sont logés à l'hôtel. Mardi s'entraîne, mercredi s'entraîne, le jeudi également, le coach m'appelle. Il me fait appel pour me dire, monsieur le président, est-ce que vous pouvez venir? J'arrive. Il me fait constater l'absence de Ibrahim Dong. Ok? Il me fait constater l'absence de Ibrahim Dong. Si Ibrahim Dong part de Sunderland, de l'Angleterre au Gabon, arrive au Gabon lundi, et jusqu'à jeudi, il n'est pas une équipe nationale. Du côté de son club, ce joueur est à la disposition de la Fédération Gabonaise de Football qui a sollicité sa présence, sa convocation, qui a envoyé une convocation pour qu'il vienne en équipe nationale. Ce joueur est sous la responsabilité de la Fédération Gabonaise de Football. J'ai donné des instructions au secrétaire général pour lui demander d'informer Sunderland en lui disant, nous vous renvoyons le joueur, M. Ibrahim Dong. Et j'ai demandé donc à l'intendant de l'équipe nationale de modifier son billet.
Je suis au siège de la Fédération Gabonaise de Football. Je vais dans le bureau du secrétaire général et je lui donne cette instruction. Quand je reviens dans mon bureau, M. Alaba Fall m'appelle pour me dire, président, pourquoi vous voulez renvoyer Ibrahim Dong? Je dis, parce qu'il n'est pas en regroupe. La veille du match contre le Cameroun, et je le dis à haute voix, à 21h, le directeur technique national m'appelle pour me dire, monsieur le président, j'ai ici monsieur Alaba Fall qui me dit qu'il faut que je descende les joueurs de l'hôtel, de leur chambre, que je les amène dans une salle, la salle de réunion, parce que je veux parler aux joueurs. Le directeur technique dit, mais vous ne pouvez pas parler aux joueurs si vous n'avez pas l'autorisation du président. Il dit non, c'est une situation qui me préoccupe. Il faut que je parle aux joueurs. Il lui est également reproché à l'ancien président de l'association des présidents de clubs de première et deuxième division d'avoir formellement empêché à certains clubs de participer à la Coupe du Gabon. Lorsque la phase, lorsque la Coupe du Gabon a évolué jusqu'à une phase où les équipes de première division devaient intégrer la compétition, c'est en ce moment que le président de l'association de clubs de première et de deuxième division convoque une réunion. Je le dis à haute voix, convoque une réunion pour dire on ne joue pas la Coupe du Gabon si il n'y a pas de l'argent. Le championnat national n'a pas été financé. Le président de l'association de clubs de première division a invité les clubs à jouer le championnat jusqu'à la fin sans financement. Mais leur a intimé l'ordre de ne pas jouer la Coupe du Gabon sans financement, parce que c'est organisé par la fédération et vous comprenez la suite, et aujourd'hui il est candidat. À bien des égards, le métier de critique est aisé. De telles allégations qui n'ont plus son sens, aucune déclaration au moment des faits n'avait été annoncée pour mettre fin à cette ingérence qui n'a que trop duré. Il était également souhaitable que Pierre-Alain Mungengui cite les véritables imposteurs et décideurs de cette équipe nationale, ces hommes pourtant influents dont il a préféré taire les noms, et ces noms il les connaît bien. Discréditer son concurrent direct de la course à la Fédération Gabonaise de Football en le mettant hors d'état de nuire pour ainsi tirer son épingle du jeu. Malheureusement, à cet exercice, les médias n'ont pas mordu à l'hameçon. Le cas du boycott de la Coupe du Gabon en est une parfaite illustration. En nous attardant sur ces questions, beaucoup reste à dire, mais tout compte fait, le candidat Bosco Alaba Fall devrait certainement réagir à ces attaques pour établir la vérité, celle-là même que recherchent les férus du ballon rond. La réaction du candidat Bosco Alaba Fall ne s'est pas fait attendre. De retour de sa tournée interprovinciale, l'homme s'est prêté au micro de Moscomi Ngonumba. C'est avec un air décontracté que le candidat Bosco Alaba Fall a réagi suite aux propos de Pierre-Alain Mungengui qui lui reproche d'avoir boycotté la tenue de la Coupe du Gabon organisée par la Fédération Gabonaise de Football. Ces propos sont intervenus au cours de la présentation du projet de société du candidat sortant qui s'est tenu la semaine écoulée. C'est pas possible, mais il aurait peut-être fallu pour lui de donner les bonnes raisons. Mais nous avons refusé de jouer la Coupe du Gabon parce qu'au départ nous nous sommes retrouvés avec lui. Quand il s'agissait de mettre en place le règlement de la Coupe du Gabon. On a accepté tous les acteurs que oui, il faut mettre en place d'abord les règles donc, de la Coupe du Gabon qui devait nous tenir copie. Et c'est la Coupe du Gabon, finalement, qui devait régir tout le fonctionnement de cette compétition. Et vous savez que chaque année, chaque édition, il faut un règlement. Nous n'avons pas un règlement standard qui reste toute une vie. On ne peut pas faire débuter une compétition et c'est pendant le parcours de la compétition, qu'on vient nous présenter un règlement. Ça, c'est au moment donné, on a dit non. Mais on ne peut pas. On ne peut pas jouer. La vérité est pourtant claire. La Fédération Gabonaise de Football n'aurait pas respecté toutes les conditions et contraintes qui lui avaient été proposées par l'ensemble des clubs présents lors d'une réunion en présence de Pierre-Alain Mungengui. Cerise sur le gâteau, le fameux appel téléphonique au président du club Adouma. Mais le président d'Adouma, son équipe, pour la petite histoire, se retrouvait là-bas pour le match du championnat. Et c'est comme ça que le président fédéral, je ne sais pas qui, mais ça c'est le président d'Adouma qui m'a dit que le président de la Fédération Gabonaise de Football lui a supplié que comme tu es là-bas en séjour pour le championnat, il serait mieux pour toi
de jouer. Et oui, mais nous tous, nous étions contents non, pour jouer. Non. Mais on attendait quoi? On attendait justement que cette commission rende ses conclusions et que lui donne de l'argent aux équipes en déplacement. Mais comment aujourd'hui Pierre Allais rapporte des faits aussi vraiment irréels? Mais non, mais pas du tout. Je vais influencer un président sur quelque chose où nous nous sommes accordés. Si la fédération a donné de l'argent, et que si, mais pourquoi? Fallait lui poser la question. Mais quel est le rendu de la conclusion de la commission, la fameuse commission? Est-ce qu'il en sait quelque chose, Pierre Alain? La fameuse commission mise en place pour traiter toutes ces questions pour que la Coupe du Gabon se joue. Il était destinataire de conclusions. Mais j'aurais bien voulu qu'il vienne sur vos antennes. Je lui dis, bon, voilà les conclusions. Mais est-ce qu'il en a conscience ou connaissance que la commission avait été mise en place? Et quelles étaient les conclusions de parler d'abord d'Adouma? Quelles étaient d'abord les conclusions? Le chemin qui mène à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football est désormais tracé. Reste aux différents candidats d'avoir un seul objectif, celui de redonner au football gabonais sa qualité en termes de jeu, mais surtout en termes d'organisation. Samedi dernier, aux alentours du 10h, il devait y avoir une réunion entre la commission électorale de la Fédération Gabonaise de Football et les candidats en lice à cette élection. Curieusement, cette réunion a accouché d'une souris, donc la commission ne s'étant pas présentée. Jeune Doum, actuel secrétaire général par intérim de la FEGAFOOT, a tout simplement présenté ses sincères excuses aux candidats présents, ce qui a causé le tollé des présidents candidats à cette élection. Reportage. Lors de ces dernières sorties médiatiques, Bosco Alabafal, candidat à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football, relevait déjà la non-application des statuts de la Fédération Gabonaise de Football par le bureau sortant les jours qui vont suivre avant la tenue du congrès du 10 mars 2018. Des recours sont envoyés à la Fédération Internationale de Football Association par Bosco Alabafal. Le contenu du courrier appliquait à tout prix les articles 5, paragraphe 2, article 5, paragraphe 5, article 35, paragraphe 1 et 2, lesquels précisent avec exactitude les règles du jeu. Plusieurs jours après la tenue du congrès du 10 mars et avant le conclave du 31 mars, les courriers de la FIFA, datés du 6 et 21 mars 2018, adressés pour autant au secrétaire général de la Fédération Gabonaise de Football par intérim et à l'ensemble des candidats en lice au scrutin à venir, lesquels rappelaient à l'ensemble des acteurs la conduite à tenir. Comme toujours, la Fédération Gabonaise de Football a dissimulé curieusement cette information capitale, tout en faisant fi des orientations de la FIFA. Comme toujours, la vérité finit par triompher. Voilà le bureau de Pierre Alain Mungengi et la toute nouvelle commission électorale mise en mal. A fait état d'un seul courrier, le courrier en date du 21, dont la FIFA a adressé donc à la Fédération Gabonaise de Football pour rappeler à la Fédération Gabonaise de Football qu'elle avait avec la commission électorale violé les dispositions statutaires et violé les dispositions du code électoral de la Fédération Gabonaise de Football et le standard FIFA, code électoral, et que par conséquent il fallait que la commission électorale avec la fédération essaye donc de réajuster probablement un autre chronogramme et que la FIFA attendait donc en retour les propositions provenant de la Fédération Gabonaise de Football. C'est cela le courrier du 21 auquel le secrétaire général dont Jeune Doum nous a fait état. Et en faisant état donc de ce courrier qui a poussé donc la commission électorale d'annuler la séance de travail de ce jour précisé à 9h. Mais les candidats n'avaient aucune information que cette séance de travail avait été annulée, ni par voie de presse, encore moins par d'autres voies de communication. Donc du tout, nous avons été quand même un peu étonnés et
révoltés pour comprendre qu'effectivement, la Fédération Gabonaise de Football et ses commissions ne vont qu'en erreur en erreur. Et c'est ce que nous avons relevé auprès du secrétaire général qui a reconnu la pertinence un peu de nos remarques. Donc encore une fois, vous voyez que bon, apparemment le processus a enclenché depuis très longtemps, suit son cours et dans l'erreur, malheureusement. À ce jour, plus rien ne garantit l'existence de cette commission électorale qui, semble-t-il, est désavouée par l'instance fêtière du football mondial. Seule la Fédération Gabonaise de Football tente de la légitimer. Plus rien ne garantit la tenue du scrutin du 31 mars 2018. Pierre-Alain Mungengui et cette commission pourraient être poussés vers la porte de sortie avant cette échéance. C'est également la fin de ce magazine de sport, mais avant de pouvoir nous séparer, on va vous laisser suivre le match de classement, dans un extrait du match de classement de la King's Cup de Thaïlande, 50e édition. La rencontre opposait les Panthères du Gabon face aux Émirats Arabes Unis. Les Gabonais qui l'ont remporté sous la marque d'un but à 0 but signé Lévi Madinda, je crois à la 15e minute de jeu. Lévi Madinda qui fait son grand retour à la sélection nationale. Effectivement, remplaçant lors du premier match des Panthères, ce joueur expérimenté, je pense qu'il est d'ailleurs l'un des anciens de cette sélection. Et c'est lui qui a permis à la sélection gabonaise de sortir tête haute de cette coupe du roi de la Thaïlande. C'est ainsi que s'achève ce magazine de sport réalisé de Medmet par Patrick Juessima. L'équipe technique était composée au cadre de Bertrand Kumunika et de Fleury Assendo. Quant à l'infographie, elle était assurée par Guy Placide Ibouang. Donc, avant de pouvoir nous séparer, je vous laisse suivre cet extrait de cette rencontre de la troisième place entre le Gabon et les Émirats Arabes Unis, remportée par les Panthères du Gabon. Un but à zéro. On se donne rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Bon confort d'écoute. منتخبنا الوطني خسر امام المنتخب السلوفاكي بعدما قدم شوط ثاني مميز حارس المرمى علي خصيف في هذه الخط الخلفي في هاس اسماعيل احمد محمود خميس ويلعب بجانبه مقبل لذلك الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زكي واجه كرة موجودة الآن وصلت إلى محمود محمود الجهة اليسرى نقلها عرضية عالية لكن الكرة تتخلص عادت مرة أخرى العكبري كأس العالم الكرة العرضية العماني الكرة موجودة الآن محاولة لمنى نقلها عرضية خطيرة المهارة والتسديدة والأهداف للمنتخب الجابوني من اللاعب كليمنت اللاعب ميديندي بوني شوف اللاعب ليمينا نقل الكرة العرضية المحاولة كانت موجودة المهارة حاضرة والتست كليمنت هو اللي يسجل أول الأهداف هذا اللقاء حارس المرمى حاول في اللقطة لكن الكرة عانقت الشباك ليسجل سادس أهدافه أحد الفرق اللي تتواجد في الدوري الإيطالي يتقدم لاعب مهاري مميز يتواجد كما ذكرت في بطولة الدوري الإنجليزي قدمة قوية سد الملعب شوف المرور والتقدم والتسديدة راحت ضعيفة عند حارس بهذا مقابل لا شيء الآن ضربة حرة مباشرة خطيرة هذه تسديدة لكن حارس المرمى على مرتين كلويس واحد أيضا من الأوراق المهمة بيدرب صنع اسم كبير الكرة موجودة الآن محاولة خطيرة الثاني قد يأتي العجب كرة ما فيها شيء حكم اللقاء أمر بالاستمرار والكرة في المدافعين إلى ريان مهارته ممتازة ريان نقل إلى عجب لمسة لأحمد خليل لكن أمامي إسماعيل يا إسماعيل طالت الكرة من أمام إسماعيل لكن طوال القامة ركلة ركنية منقولة عرضية خطيرة لكن تتخلص هذه أيضا وتوعد تسديدة فيها إبعاد وبعد ذلك وليد عباس بيخلص المحاولة تتخلص بتعود مرة أخرى العكبر يقاد والكرة منقولة الآن أمامية محاولة تصل سهلة عندها لنا توليفة مناسبة الكرة موجودة الآن خليل
يشوف الكرة وصلت لي أحمد خليل أمام المرمى أخرى وهدف آخر وتمريرة في الجهة اليمنى والكرة موجودة الآن عرضية هذه خطيرة فيها ضربة لاعب نادي ساوثهامبتون نقل كرة عرضية خطيرة لكن أليكس عادت مرة أخرى المحاولة مستمرة محمود خميس يحاول فيها لكن أيضا محمود حاول فيها على البنية شوف كيف ما شاء الله عليه راح ومر وتقدم وأسقط اثنين والكرة تتخادل و 13 هزيمة لأنه كان يلعب بطريقة حاولة خطيرة وين يا كريستوفر شوف الكرة العرضية وكريستوفر نقلها بالرأس لكن شالها علي خصيب موجود عامر يخلص عادت مرة أخرى الكرة العرضية الأخرى والإبعاد يأتي والتسديدة عامر بلمسة العكبري اللي حاول عاد حارس المرمى لكن حارس المرمى واثق من نفسه كثير ومثل منتخب القابوني الأول وكان موجود مع المنتخب القابوني الكرة موجودة الآن والهدف الثاني ضرب فيها دفاع منتخب الوطني دفاع منتخب الوطني ضرب في اللقطة الماضية واندونغ يستغرب ضياع الكرة الماضية يستغرب السلام إن شاء الله شوف السلام إن شاء الله إن شاء الله للاعب المنتخب القابوني Also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emile Aubameyang la frappe et ça va